Bonsoir, c'est Magas. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Tito Nancy Tech. Aujourd'hui, nous allons voir comment supprimer un compte Facebook définitivement. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et si vous voulez supprimer votre compte Facebook, cette vidéo est faite pour vous. Alors, regardez très bien et partagez au maximum. Bingo, c'est parti. D'abord, il faut avoir accès à la connexion Internet pour naviguer sur la page Facebook. Moi, j'utilise deux applications Facebook. Il y a Facebook Lite qui est là et il y a Facebook qui est à côté. Facebook là consomme beaucoup de connexion Internet. Ça retarde aussi un site n'a pas beaucoup de mégas. Et Facebook Lite aussi est très très rapide. Même ça consomme pas assez. Hein, c'est très très rapide. C'est ça que j'utilise pour économiser ma connexion Internet. Ok, nous allons cliquer sur Facebook Lite pour accéder à ma page. C'est mon compte Facebook. C'est mon compte Facebook. Supposons que je vais supprimer le compte là. Et vous allez, les trois tirets qui sont à ma droite, vous allez cliquer sur ces trois tirets, un menu va s'afficher. Voici le menu, c'est sur un menu va s'afficher. Là, nous allons cliquer sur aide. Nous allons patienter, ça se charge. Nous allons cliquer sur aide. Voici, nous sommes sur la page aide et nous allons cliquer sur gestion de votre compte. Gestion de votre compte, nous allons cliquer. Et après, nous allons cliquer sur désactiver ou suppression de votre compte. Nous voulons supprimer notre compte Facebook. Là, c'est ici que nous allons cliquer. Nous allons patienter. Ok. Maintenant, désactivation ou suppression de votre compte. Et on vous propose les différentes manières de désactiver ou de supprimer votre compte. Nous, c'est de supprimer, comment supprimer définitivement notre compte Facebook. Nous allons cliquer sur ça. Nous allons patienter et Facebook vous propose comment le faire. Voici. Et nous, c'est supprimer définitivement. Le tutoriel porte sur ça. Et je cherche la partie. Je cherche, voilà, excusez, c'est ici. Je cherche la partie. C'est rapide là. Je cherche la partie. Ok. Pour supprimer définitivement votre compte, connectez-vous puis appuyez ici. Là, je clique à appuyer ici. Nous allons patienter. Voici, supprimer ou désactivation de votre compte Facebook. Nous ici, c'est de supprimer, pas pour désactiver. Vous pouvez désactiver votre compte Facebook, désactiver jusqu'à un certain moment, après revenir activer. Ici, le tutoriel porte comment supprimer définitivement un compte Facebook. Nous allons cliquer sur supprimer, après on clique sur continuer. On clique sur ça. Nous allons patienter la connexion. Voici, Facebook même vous propose pourquoi vous voulez supprimer votre compte Facebook. Là, d'autres peuvent supprimer leur compte Facebook. Je passe trop de temps sur Facebook. Il y a des raisons. Je passe trop de temps sur Facebook. Je vais supprimer mon compte Facebook. Et d'autres vont dire j'ai des doutes sur la confidentialité de mes données. Ça dépend. Et d'autres vont dire je me sens pas en sécurité sur Facebook, il y a quelqu'un qui essaie de me pirater ou bien m'arnaquer. Et d'autres vont dire mon compte a été piraté par un hacker et truc. C'est la raison pour laquelle il y a plusieurs raisons. Et d'autres, vous avez créé plus beaucoup de comptes Facebook et vous voulez supprimer certaines. Il y a plusieurs raisons à laquelle vous voulez supprimer votre compte Facebook. Maintenant, nous allons cliquer sur poursuivre la suppression du compte. Nous allons cliquer sur ça. Voici. Et voici les étapes pour supprimer. Ça, c'est ma page. Si je n'utilise pas la page de la manga Satya.224. Je n'utilise pas. C'est ma page. Et je vais supprimer ce compte. Et voici, on clique à supprimer le compte. Et ça va se charger. Là, vous allez rentrer le mot de passe de votre compte Facebook et vous allez cliquer sur continuer. Et Facebook va afficher votre compte sera supprimé dans 14 jours. Merci, merci. Bonne visionnage à vous. Ciao, ciao. À la prochaine.